Je pense que les médias peuvent davantage sensibiliser le public à la question environnementale en essayant d'être beaucoup plus proche d'eux et de leur faire comprendre, dans le cas de la RDC par exemple, que même si la RDC n'est pas l'un des principaux pays qui font en sorte qu'on en soit où on en est aujourd'hui en termes de catastrophes et de crises climatiques, mais que les conséquences que les populations subissent doivent les interpeller. Il faut savoir que la RDC est classée parmi 33 pays à haut risque, alors que ces 33 pays n'émettent même pas 9% d'émissions de gaz carbonique au niveau mondial. Mais c'est les populations congolaises et les populations d'autres pays d'Afrique, comme l'Ouganda par exemple, qui sont victimes directement de ces effets du changement climatique. Le rôle des médias aujourd'hui, ce serait de réinventer un nouveau mode de journalisme. Ça veut dire de former de nouvelles personnes qui seront plus proches des enjeux actuels des communautés locales, pour faire passer dans le langage de ces communautés des informations sur le changement climatique, réfléchir avec les communautés sur ce qu'ils pourraient faire comme action. Le but, c'est d'avoir des médias qui ne sont pas que dans tout ce qui est formel, dans le rôle qui leur est attribué, mais c'est des médias qui arrivent dans les communautés locales à pouvoir développer et déclencher une prise de conscience et un engagement communautaire. Pour ça, il faudrait sensibiliser les populations et la sensibilisation va partir, par exemple, dans les communautés de rassemblement de groupes pour essayer de faire passer un message sur le climat. C'est de, par exemple, dans les médias, arriver à avoir des lignes qui parleraient des conséquences du changement climatique, de ce que c'est que le changement climatique. Dans un langage facile, simple, les gens peuvent s'en approprier pour eux aussi pouvoir lutter contre le changement climatique. Donc l'enjeu des événements comme ceci, celui qui réunit énormément d'acteurs du monde médiatique, c'est d'essayer de tous nous mettre autour d'une table après pour repenser ce que nous on veut réellement en termes d'action dans la lutte contre le changement climatique apportée directement aux communautés et former une nouvelle génération médiatique, des médias qui correspondent plus aux réels besoins des communautés, des vrais médias de demain, quoi.